Je ne parle pas, je ne suis pas. Vivante ? Non, sûrement pas. Pour la plupart. Mais est-ce une raison pour me détruire et pour épuiser mes ressources ? Moi, votre mère, qui vous ai donné la vie. Je vous ai nourri avec mes fruits délicieux. Je vous ai porté, vous ai vu grandir. Est-ce qu'un jour vous avez manqué de quelque chose ? Vous avez eu de quoi vous abriter, de quoi vous chauffer et même de quoi vous soigner. Pendant toutes ces années, je me suis occupée de vous et je le fais encore. Alors pourquoi ? Pourquoi me détruire ? Ce que j'étais, une planète bleue et verte n'est plus aujourd'hui que déchets, comme les restes d'un repas de charognard. L'eau coulait à flot le long de la montagne, ruisselait le long des arbres et finissait son chemin le long de la montagne. Dans les vastes prairies d'herbes fraîches, les agneaux mangeaient avec douceur. Avant, j'aurais dit, est-ce que l'herbe est assez tendre ? Mais aujourd'hui, je vous demande, pourquoi avez-vous détruit mes vastes prairies ? Ma forêt amazonienne, qui hélas, jadis, était plus immense que les déserts du Sahara. Pourquoi gaspillez-vous l'eau sans vous demander si vos enfants, mes enfants, en auront encore ? Comme a dit César à son fils assassin, « Tu quoque mi fili ». Je n'ai pas de cœur pour vous. Alors pourquoi ? Pourquoi me suis-je occupée de vous ? J'ai un cœur tout au fond de moi, en mon centre brûlant, aussi flamboyant, et même le plus courageux et agile d'entre vous n'oserait s'y aventurer. Mais mon cœur est fragile, et il ne supporte plus votre lâcheté, votre désinvolture et votre monstruosité. Un jour, mon cœur s'éteindra. Quand le premier d'entre vous est né, il était flamboyant. Mais vous m'achevez avec tout ce que je vous ai donné pour vivre. Pourquoi me frapper tous les jours de plus en plus fort ? Alors que je ne peux pas me défendre ? Pourquoi créer des droits pour chaque être vivant, alors que chaque chose qui est en ce monde est due à ma générosité ? Chaque élément, quel qu'il soit, est né grâce à moi. Pourquoi créer des droits pour tous, sauf pour moi, votre mère ? Alors que sans moi, vous ne seriez plus, vous ne seriez point. Article 222.7 du Code pénal. Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de 15 ans de réclusion criminelle. Vous interdisez de lever la main sur n'importe quel être humain ? Vous ne le faites pas pour votre mère ? Article 222.14 du Code pénal. Les violences habituelles sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse et apparente ou connue de l'auteur, sont punies. Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Vous créez des droits pour vous, mais vous ne le faites pas pour votre mère. Je suis vulnérable et faible. Aucune mère n'est éternelle, sauf dans le cœur de ses enfants. Un enfant ne peut pas vivre sans sa mère. Seul, il ne peut que survivre. Si je meurs, qui vous protégera ? Qui vous nourrira ? Où irez-vous vous abriter ? Si je meurs, est-ce qu'un seul d'entre vous survivra dans ce chaos terrible ? Est-ce que cette évidence vous a traversé l'esprit ? Ne serait-ce qu'une seconde ? Pour certains, oui. Mais alors, que font-ils pour que moi, leur mère, je reste en vie ? Tout le monde sait qu'une mère s'occupe de sa progéniture et que, lorsqu'elle ne peut plus le faire, c'est l'enfant de veiller sur sa protectrice. Alors pourquoi personne ne veille-t-il sur moi ? Pourquoi personne ne me protège-t-il ? Vous êtes pourtant assez grands et nombreux pour me protéger. Article 425 du Code pénal. Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. Pourquoi n'appliquez-vous pas cette loi pour moi ? Est-ce parce que je n'ai pas de corps ? Je vais mourir ! Que faites-vous pour me venir en aide ? On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Si l'un d'eux vous parle, l'écouterez-vous ?
je demande à votre bon sens de l'écouter. Voici ce qu'il a à vous dire. Moi, j'ai plusieurs mères, celles qui m'ont porté et celles qui me portent. Toujours là pour moi, elles n'ont pas le choix. La mère de ma mère est aussi la mienne. La mère de mon ami est aussi la mienne. Qui est ma mère? C'est la terre. A-t-elle eu plusieurs enfants? Oui, 7 milliards. En aura-t-elle d'autres? Oui, elle en a tous les jours et en perd chaque jour. Alors qui est-elle? C'est la terre. Elle me protège et je la protège aussi. Mais si je donc le seul de ses enfants, pourquoi personne ne le fait-il? Pourquoi personne ne la protège-t-il? Aujourd'hui, je dis, protégeons-la comme elle nous protège. Faisons des droits pour elle. Et là, je vous dirai merci.